Bonsoir, chers voyageurs. Je vous accueille ce soir au Mont-Tremblant, plus précisément à l'hôtel Residence Inn. Pour, si vous désirez venir coucher à cet hôtel, je vais vous donner un aperçu ce soir. Mais avant de rentrer dans l'hôtel, j'aimerais vous montrer comment l'hôtel est proche des différents commerces qui font partie du centre de villégiature de Mont-Tremblant. Donc, dès que vous sortez de l'hôtel, vous n'avez qu'à marcher juste 30 secondes, une minute, vous avez déjà accès à plein de restaurants, une bonne queue de castor, puis par là-bas, un bon Starbucks. Fait que vous voulez le matin, le Starbucks est à une minute de marche, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va rentrer dans l'hôtel, je vais vous montrer la piscine, le spa, et ainsi que la chambre, bien entendu, qui est une suite, tiens, j'ai souligné. Donc, la réception, vous pouvez pas le sentir, mais il y a un beau petit parfum à travers tout l'hôtel. Oups. On sert le petit déjeuner ici le matin. Oups. Le cabriolet qui passe au-dessus de l'hôtel, qui peut vous amener d'un bout à l'autre du centre de villégiature. La belle piscine et la grande force de cet hôtel, c'est ces deux spas. Oups. Chaque spa qui est énorme, c'est comme deux spas en un. Beaucoup de chambres qui sont équipées d'un balcon également. Les cabriolets encore qui passent. Souvent, les gens vont vous saluer, surtout les enfants. Lorsque vous baignez, vous allez entendre beaucoup de gens vous dire « Allô! » Et je vous amène directement aux chambres. On va prendre les escaliers. Et oui! Hey! Ah, please! Yep. Oup. C'est une carte. Ah non, j'en ai pas. Je l'ai. On va ramasser ça. Donc, on a ici la chambre, deux lits doubles. La suite, deux lits doubles avec un sofa-lit. Une belle table à manger si vous êtes plusieurs. Une grande salle à... Ben, pas une grosse cuisine, mais un peu plus grosse que la chambre normale. Et si vous avez la chance d'être au deuxième étage, vous aurez probablement accès à un beau petit balcon que vous pouvez utiliser, entre autres, pour prendre le petit déjeuner. Ici, vous avez cette chambre au rez-de-chaussée. Vous aurez accès à une petite terrasse avec deux chaises sur le gazon au bord de la piscine. Et voilà, le Residence Inn Marriott de Mont-Tremblant.